tendresse cruelle, dans le regard effarouché des anonymes résignés, le passé doux et fleuri de fils fragiles et affolés vers l'abîme solitaire qu'est les muscles affaissés sous la peau tapissée des rides étirées ne peuvent combler sans lâcher prise. Tendresse et détresse, patience, espérance et maltraitance se côtoient désormais sans complaisance, sous le regard confus de la mémoire en faillite, où années des servitudes héroïques et journées des solitudes stoïques s'entremêlent dans la plénitude et l'assistance indifférente. Le flot soutenu de fluides rebelles que le corps disloqué, rafistolé, dépouillé ne peut contenir à sa guise, entraîne généreux dans sa course folle le restant d'orgueil et des dignités nécessaires pour tenir droit, debout, dans cette nouvelle vie de paria. Où sont-ils donc tous passés? Pourquoi tant d'inconnus autour de moi? Pour combler le silence céleste, pour célébrer ma déchéance funeste. Où sont-ils, diables, donc tous passés? Demain, devant une caisse plaquée d'or ou un ébène sculpté, rembourré des tissus soyeux d'un blanc immaculé, sous l'assaut d'une conscience trouble et de la tension attendrie d'un public silencieux, surgit tapis dans l'ombre, au coin d'un œil sec, une larme étourdie, orpheline et désemparée, qui tente maladroite et mesquine d'engloutir les dérives déchirantes du naufrage cynique et pathétique de cet être unique, nos aînés.